Harry et Meghan Markle sont installés dans leur maison californienne depuis juillet 2020. Avec leur demeure de Monte Quito, le duc et la duchesse de Sussex ont trouvé l'endroit idéal pour se voir leurs amis, s'octroyer quelques sorties en public et occuper les journées de leurs deux enfants. En revanche, leurs relations avec le voisinage ne sont pas tous les jours faciles. À leur arrivée, ils ont notamment refusé un cadeau de la part d'un voisin prénommé Frank McGinnity, rapporte The Independent, ce lundi 24 juillet. Ce vétéran de la marine américaine de 88 ans a raconté cette anecdote dans ses mémoires, Get Off Your Street. Harry et Meghan vivent dans l'ancienne propriété de McCormick et je suis monté à leur porte avec les films sur un CD, mais ils n'étaient pas intéressés, a développé Frank McGinnity. Le gars de la porte m'a renvoyé et n'a pas voulu prendre les films, disant simplement ils ne sont pas intéressés. J'essayais juste d'être voisin, a-t-il ajouté, rapportent nos confrères britanniques. Meghan et Harry propriétaires, les clichés de leur villa à Santa Barbara. Bientôt le départ pour Harry et Meghan Markle. Ce n'est pas la première fois que des voisins d'Harry et Meghan Markle dévoilent publiquement leur rapport compliqué avec le couple. Nous ne sommes pas contents. Cela a créé beaucoup de remue-ménage et sa femme, Anne. D.L.R. Meghan Markle, n'est pas très appréciée, avait notamment indiqué une habitante de Monte Quito, au micro de GB News, en mai dernier. À cela s'ajoutent les affirmations d'un acteur britannique puissant basé aux États-Unis, comme l'avait rapporté le Daily Mail en décembre 2022, qui avait indiqué que les Sussex ne seraient pas populaires auprès des riches, de la vieille garde du Monte Quito. En plus des difficultés dans leur couple, le quotidien d'Harry et Meghan Markle ne serait pas tout rose en Californie. Les parents d'Archie et Lilibet doivent notamment faire face à des fans un peu trop intrusifs. Pour leur quiétude, ils vivent donc constamment en présence d'agents de sécurité à leur côté. Le duc et la duchesse de Sussex réfléchiraient donc avec insistance à quitter Monte Quito. Une nouvelle destination leur fait de l'œil, Malibu. Crédit photo, Julien Burton.